La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andri Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzawatin, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Youri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andri Youssov et Youri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région